Eh bien, bonjour, bonjour. Et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème « Développer le raisonnement professionnel avec WCLAP », la formation par concordance avec Marie-France Deschênes et Bernard Charlin qui nous font l'honneur d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons attendre quelques instants afin de permettre à un maximum de personnes de nous rejoindre. Et donc, pour le moment, je vais en profiter pour vous dire un petit mot sur l'organisation avant de commencer et de présenter comme il se doit nos invités. Donc, ce webinaire durera une heure de temps. Il est enregistré et donc sera ensuite disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez poser toutes vos questions par écrit à droite de votre interface dans le chat. Donc, nous répondrons à vos questions à la fin de l'événement. Donc, vous pouvez les poser tout au long de l'événement. Enfin, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux tout au long du webinar avec le hashtag Webinar que vous voyez actuellement sur l'écran. Vous serez aussi amenés à participer avec nous. Donc, je vous invite à garder vos téléphones près de vous. Deux mots pour contextualiser ce webinaire. Je m'appelle donc Adeline Hurtel, je suis Customer Success Manager chez WCLAP et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Pour ceux qui découvrent WCLAP, WCLAP est une plateforme qui permet de rendre les cours plus interactifs grâce à des questionnaires auxquels les étudiants répondent via leur smartphone. L'objectif de WCLAP est donc d'accompagner les enseignants dans leur pédagogie et aussi d'accompagner les étudiants et leur permettre de rendre leur apprentissage plus actif et de les rendre même acteurs de leur apprentissage. Donc, c'est dans cette démarche d'accompagnement des établissements que WCLAP a travaillé en étroite collaboration avec Bernard Charlin, fondateur et créateur des tests de concordance, mais aussi professeur au département de chirurgie de l'Université de Montréal, et avec d'autres professionnels tels que Marie-France Deschênes, chargée de cours et doctorante en sciences infirmières, également à l'Université de Montréal. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Avant de vous donner la parole et de laisser place à votre expertise, un dernier mot sur ce webinaire qui s'organisera en trois temps. Dans un premier temps, Bernard Charlin nous présentera une introduction en formation par concordance. Dans un second temps, Marie-France Deschênes nous montrera ensuite concrètement comment créer ces questions. Et enfin, je finirai par vous présenter en live comment créer des questions de type concordance directement sur WCLAP. Donc, je ne vous en dis pas plus et laisse place au début de webinaire avec l'intervention de Bernard Charlin. Bonjour Bernard. Bonjour Adeline, merci pour la présentation. Donc là, il faut que... Parfait. D'abord, expliquer très brièvement ce qu'est une formation par concordance qui sert à développer, mais aussi à évaluer, mais nous ne parlerons pas d'évaluation aujourd'hui, le raisonnement des étudiants. Donc c'est une modalité de formation en ligne qui place les participants en situation professionnelle et qui sollicite des micro-jugements sur des questions fréquemment rencontrées dans la pratique. Elle permet de se former en raisonnant sur des tâches authentiques. Tâches authentiques, ça veut dire des tâches qu'on rencontre réellement dans les pratiques professionnelles et en recevant la rétroaction automatisée d'un panel. Les formations par concordance reposent sur une théorie. C'est la force de ce système. Ce ne sont pas des recettes, ça repose sur une théorie. Une théorie du raisonnement qui s'appelle la théorie des scripts. La théorie des scripts est importée provient des sciences cognitives et elle sous-entend que dans notre vie de tous les jours, comme dans nos pratiques professionnelles, nous faisons en permanence de micro-jugements entre l'adéquation entre les données d'une situation et les attentes liées aux hypothèses ou aux solutions envisagées. Ça veut dire que dans une situation de la vie de tous les jours,
ben, quand je vois quelque chose, quand je fais tout de suite une hypothèse sur ce à quoi ça pourrait correspondre, ou quand je suis dans ma pratique professionnelle, ben, devant un patient, j'ai des hypothèses qui me viennent à l'esprit, et puis je vais mobiliser les connaissances liées à ces hypothèses, qu'on appelle en jargon des scripts, et pour voir dans quelle mesure les données de la situation renforcent ou minimisent l'hypothèse. Je vous invite à... Donc, ça a été décrit en médecine et dans les sciences de la santé. On a fait beaucoup de travaux de recherche et on s'aperçoit que dans toutes les professions de la santé, ça fonctionne très bien. Mais selon notre opinion, ça fonctionne pour tous les domaines professionnels dans lesquels on a à gérer de l'incertitude ou de la complexité. Donc, dans cette présentation, je vous invite, à quelle que soit votre profession, à vous dire, est-ce que ça correspond à la façon dont on fonctionne dans ma profession? Et je présume que oui. Ici, j'ai une petite difficulté parce qu'avec le logiciel qu'on utilise, les animations ont disparu. Donc, je ne pourrais pas faire une animation de comment ça se passe, mais si vous voulez, c'est une illustration de comment se passe le raisonnement dans une situation professionnelle. Moi, je suis un médecin ORL, donc j'ai choisi un exemple d'ORL. Donc, imaginez que vous êtes une page blanche et que j'ai une patiente qui rentre dans la salle de consultation et qui dit qu'elle se plaint de vertiges qui ne sont pas là tout le temps depuis quelques semaines. Ben, immédiatement, il y a des hypothèses qui me viennent à l'esprit. C'est automatique. Là, en général, il n'y a pas des grands nombres, il y en a souvent 2, 3. Et ici, la maladie de Meynier, parce que c'est une maladie très connue, le vertige positionnel bénin, parce que c'est la plus fréquente, neuronite vestibulaire, parce que c'est aussi une cause fréquente. Donc, j'ai 3 hypothèses qui me viennent spontanément à l'esprit, extrêmement rapidement. Si je pose une première question, et que je dis à quel moment surviennent vos vertiges, et que la dame me dit, mais ça survient surtout quand je prends certaines positions, ben, immédiatement, j'ai une hypothèse qui devient plus saillante, le benign positional vertigo, et les autres sont peut-être même un peu moins saillantes, deviennent un peu plus en retrait. Si ma question suivante, c'est, vous entendez moins bien, ou avez-vous des bruits dans l'oreille? Ou avez-vous des bruits dans l'oreille lorsque vous avez des vertiges et qu'elle me dit non? Mais là, j'ai une hypothèse qui disparaît complètement. La maladie de Meynier, c'est fini. Parce que par définition, il y a des signes auditifs dans une maladie de Meynier. Si ensuite, je place ma patiente dans une certaine position sur le lit d'examen et que je vois les yeux qui se mettent à tourner d'une certaine façon spécifique, ben, mon diagnostic est fait. C'est un vertige positionnel de position, c'est un vertige bénin de position. Et ça me donne accès à l'évolution, à un point de traitement. Cette théorie sous-entend que lorsqu'on est dans une situation professionnelle, on est toujours actif, on est toujours en train de poser des micro-décisions sur des questions que nous venons de voir. Et cette constatation m'a amené à proposer un moyen d'évaluer et de former. Chaque micro-décision représente une opportunité pour évaluer ou pour former. Ça a amené à proposer un format de questions. Ici, voici le format de questions. Donc, pour un type de question que nous appelons les concordances de raisonnement, on va décrire une situation ici en peu de lignes, 2, 3 lignes au maximum. C'est jamais une grande... position. Et ensuite, chaque question se déroule en 3 temps. Si vous pensiez A, et ici, on va marquer une des options pertinentes dans la situation qu'on a décrite plus haut, et qu'alors vous trouvez quelque chose, on amène une nouvelle donnée qui n'était pas décrite dans la situation, et notre tâche comme participant est de répondre à la question suivante, votre hypothèse en est, et les réponses sont recueillies sur une échelle de Likert parce que la recherche a montré que le raisonnement n'est pas fait de combinaison de chiffres, mais qu'en fait est un processus de nature qualitative. Donc avec une échelle de Likert, on capte cette raisonnement qualitatif. Et l'échelle, elle est, si j'ai trouvé cette nouvelle donnée, mon hypothèse en est, elle peut être fortement affaiblie, inchangée, renforcé, fortement renforcé. Chaque question est indépendante des unes des autres. Donc, sur la question suivante, j'aurais mis une autre
hypothèse ou option, une autre donnée, et j'aurai à nouveau cette tâche, votre hypothèse ou option, ou intention, en est, etc. Prenons un exemple trivial de la vie de tous les jours. Vous voyez un point noir dans le ciel, de quoi s'agit-il? S'agit d'un avion, un oiseau? Donc, dans la situation est ici, décrite courte, on va prendre une des options, l'avion. Et qu'alors vous trouvez que le point noir se met à tourner en rond et à se poser sur un lampadaire, ben, votre hypothèse en est certainement fortement affaiblie et même très certainement rejetée. Vous voyez que la mécanique est extrêmement, c'est simplissime, mais cette mécanique de contournement s'applique à des tas de domaines et dans la littérature, il y a plus de 120 ou 130 articles qui décrivent ce type de questionnement dans différentes professions. Maintenant, si je prends un exemple un peu plus compliqué, en m'appuyant sur ce qu'on a vu tout à l'heure comme exemple, j'ai une femme de 38 ans qui se présente à l'urgence, se plaignant de vertiges survenant par crise depuis 2 semaines, elle sent bien entre les crises. On a dit que nos options, on avait maladie de Meniere, neuronite de vestibulaire, etc. Hop, je voulais, il ne faut pas bouger avec ça. Donc, je prends une option, je marque maladie de Meniere, et je trouve que la patiente, lorsque je la mets dans une certaine position, a les yeux qui tournent d'une certaine façon. Mais je dois répondre sur l'échelle de Likert, ça peut être fortement affaibli, affaibli, inchangé, renforcé, fortement renforcé. Mais ici, dans une maladie de Meniere, mes connaissances antérieures me disent « mais c'est pas possible, c'est fortement affaibli ». Si je réponds à une autre question, la question suivante, et que je mets une autre option qui est la neuronite vestibulaire, et que le patient me dit, la patiente me dit qu'elle a un temps moins d'un côté depuis quelque temps, mais ce n'est pas cohérent avec une neuronite vestibulaire, donc là peut-être que je répondrai affaibli sans pouvoir répondre fortement affaibli. Si je pense maladie de Meniere et que la patiente me dit qu'elle a des congestions nasales, il n'y a aucune association entre les deux choses, donc ça ne change rien d'avoir trouvé ça. Donc là on vient de voir le format de formation par concordance de raisonnement. On va voir un deuxième type de question. Si je reviens sur la question tout à l'heure, vous voyez que le raisonnement se tenait en 3 temps. Vous avez une situation, vous amenez une hypothèse, vous pensez à une hypothèse, vous amenez une nouvelle donnée, 3e temps. 4e temps, je réponds sur l'échelle de Likert. Ici, la tâche cognitive est en 3 temps. Vous voyez une situation, vous observez un comportement de quelqu'un d'autre et vous devez porter un jugement sur le comportement. Et là, le comportement, l'échelle de Likert est en 4 points et non pas 5 points. On veut éviter que les gens disent c'est indépendant. Et là, on va dire, ben, moi, ce comportement, je le trouve totalement inacceptable, inacceptable, acceptable ou totalement acceptable. On va donner un exemple de ceci qui est en lien avec la théorie. Avec la COVID, et ça c'est une question qui était pertinente il y a 2-3 semaines au Québec, en milieu hospitalier, depuis une semaine, on nous demande de porter un masque lorsque nous sommes en contact avec des patients et d'enlever le masque lorsque nous sommes dans des aires communes. Et là, vous observez que, parce que dans les aires communes, beaucoup de gens ne respectent pas la distanciation, plusieurs de vos confrères ne gardent leur masque dans les aires communes, donc ne suivent pas les recommandations. Et là, je dois dire, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve ça totalement inacceptable, inacceptable, acceptable, totalement acceptable. Donc, vous voyez que le format est différent. Donc, on a expliqué le mot script, c'est une théorie du raisonnement. Et maintenant, la concordance, pourquoi? Pourquoi qu'on parle de concordance? Parce que par définition, les questions se font en contexte d'incertitude et de complexité. Donc, il n'y a pas une bonne réponse. Pour pouvoir donner des notes, on a décidé d'utiliser un système de concordance. On fait passer la même épreuve à un panel de gens expérimentés dans le domaine et on regarde dans quelle mesure les décisions prises par les participants concordent avec celles des membres du panel de référence. Si je réponds comme la majorité des membres du panel, j'ai 1 point. Si je réponds comme une partie du panel, j'ai une fraction de points. Mais ça, c'est dans le but de donner des points, des notes. En fait, ça correspond à un test de concordance de script
Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Nous ne parlons pas évaluation. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que permet l'informatique, c'est de détourner l'évaluation vers la formation. On oublie les notes, on n'affiche plus les notes, on va donner de la rétroaction, ce qui crée une formation par concordance. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va afficher la concordance avec les membres du panel. Si j'ai répondu, je regarde dans quelle mesure les membres du panel ont répondu comme moi. Deuxièmement, on demande aux membres du panel d'expliquer en une ou deux phrases pourquoi ils répondent comme ça. Et quand le participant répond, on lui affiche les explications. Et ensuite, de temps en temps, on va faire un message éducatif, une synthèse éducative. Donc, ça donne trois sources de feedback. Donc, pour chaque question dans une formation par concordance, lorsque le participant répond, une rétroaction est automatisée et basée sur les réponses préalablement données par les membres du panel de référence, permet aux participants de s'auto-calibrer en découvrant comment sa réponse se situe par rapport à celle du panel. Deuxièmement, explorer comment ces personnes expérimentées résonnent dans les mêmes situations. Et troisièmement, de temps en temps, découvrir un message synthèse pour approfondir un ou des thèmes abordés par la situation, dans la situation. Donc voilà qui clôture ma partie, qui est un peu sur les principes de la formation par concordance. Je vais céder la parole à Marie-France pour nous expliquer comment réaliser des questions et comment mobiliser un panel. Bonjour, merci beaucoup Bernard. Je vais poursuivre effectivement. Et dans quelques minutes, là, Adeline pourra vous montrer à l'aide de Wootla comment justement écrire vos situations, vos mises en situation, vos questions à l'aide des fonctionnalités là, qu'on retrouve dans Wootla. Donc autant, je vous dirais, pour la concordance de raisonnement que pour les exercices de concordance là, de jugement. Ce que je vous présente ici, vous avez des références clés qui vous sont présentées là, sur la plateforme. Donc, juste à côté du chat, là, vous avez un document que vous pouvez télécharger. Donc, sensiblement, les éléments que je vous présente, là, vous allez les retrouver dans les références. Je vous dirais la première étape lorsque vous construisez une formation par concordance, que vous êtes enseignant, professeur, conseiller pédagogique, concepteur, technopédagogue. La première chose à faire, c'est de choisir donc vos situations qui, dans une approche par compétence, doivent être inscrites autant que possible dans des situations qui sont apparentées à la pratique professionnelle. Elles sont donc pertinentes, prévalentes, significatives ou à fort enjeu, dépendamment de votre discipline. Donc, vous pouvez avoir aussi des situations justement à fort enjeu environnemental, sur le plan de questions déontologiques, de questions éthiques. Et la particularité des situations, c'est qu'elles sont très courtes. Elles sont rédigées en 2-3 lignes seulement. C'est volontaire. C'est des situations qui sont ambiguës, complexes. Et donc, on ne prend pas une prise de décision qui est finalisée. Finalement, c'est très court comme mise en situation. Donc, si on pense à des mises en situation qui sont communes là, dans notre profession ou dans notre discipline, par la suite, donc la mise en situation, elle est dans l'en-tête, là, comme vous avez vu il y a quelques minutes. Par la suite, on doit compléter, je voudrais, nos options. Donc, la première colonne là, qu'on retrouve dans une vignette d'un test de concordance de script. Donc, ici, c'est vraiment de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'une personne, un expert, une personne ressource là, dans mon domaine, qu'est-ce qu'une personne ferait? Donc, quelles sont les options, les hypothèses qui sont plausibles là, dans cette situation-là? Et fréquemment, on en a 3-4 parce qu'on sait que tout expert dans une situation n'aura pas plus, je vous dirais, de 4, maximum 5 hypothèses à la fois. Donc, l'outil est aussi développé de cette façon. Donc, j'identifie les options qui sont plausibles. Et ici, je vous indique quelques critères de qualité au niveau de la rédaction. Ce n'est pas prescriptif, là, ce sont des indicateurs là, pour vous aider. Donc, les options sont plausibles. Ce ne sont pas des options ou des hypothèses là, qui sont farfelues. Là. Donc, a priori, elles sont plausibles. Elles sont cohérentes avec la mise en situation qui est présentée dans l'en-tête. Elles sont pertinentes dans le sens que ça me permet de résoudre la situation de résolution de problème, peu importe, je vous dirais, là, votre domaine d'expertise, votre discipline. Par la suite,
on rédige ce qu'on retrouve dans la deuxième colonne, donc les données. Ici, on parle de données cliniques puisque nous sommes dans les sciences médicales ou en sciences infirmières, mais je pourrais avoir des nouvelles données dans votre discipline. Donc, c'est de penser ici, dans la deuxième colonne, donc des données qui vont venir renforcer, minimiser l'option suggérée. Vous l'avez vu un peu plus tôt avec la théorie. Quelles sont justement les nouvelles données qui viendront vous faire un lien associatif là, finalement dans mes prises de décision? Et voilà, donc je répète ici un peu les critères de qualité au niveau de la rédaction. Ça peut vous aider. Et justement, sur le point de la pertinence, c'est que la nouvelle donnée sollicite, donc les connaissances sollicitent des liens associatifs pour vraiment juger ici de l'option qui était présentée au préalable. Voilà. De nos expériences, j'ai fait une thèse justement en sciences infirmières sur le terme. On a calculé le temps que les étudiants prenaient pour faire l'exercice en ligne. Donc, je vous suggère très fortement d'avoir peut-être une dizaine de vignettes. Là, quand je parle de vignettes, c'est mise en situation ou c'est des études de cas là, que vous pouvez retrouver selon votre discipline. Donc, pour une activité asynchrone, je veux dire un 45-60 minutes, une dizaine de vignettes, c'est suffisant pour favoriser la motivation des étudiants, leur engagement cognitif. Donc, c'est fortement suggéré. Par ailleurs, si vous êtes dans des activités en mode synchrone, en classe, en vidéoconférence, comme nous faisons ce matin, vous pouvez très facilement, à l'aide de votre lab, utiliser une question ou deux à l'amorce de vos activités en classe et puis susciter justement les interactions, susciter la discussion avec les étudiants, les apprenants, ou vous pouvez être aussi dans un contexte de développement professionnel continu et utiliser la formation là, par concordance, là, c'est tout à fait là, adaptable. Ensuite, un point très important, c'est les membres du panel de référence. Parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre avec la formation par concordance, ce n'est pas le concepteur qui conçoit le corrigé, en quelque sorte, ce sont les membres de notre panel de référence. Donc ici, on vous encourage très fortement de ne pas dépasser 3-4 membres au niveau du nombre, peut-être maximum 5. Parce qu'on veut éviter, je vous dirais, la surcharge cognitive au niveau des commentaires qui seront affichés sur le web et on veut aussi éviter la redondance. Donc, c'est des personnes qui sont reconnues par leur part dans la discipline. Comme disait plus tôt Bernard, il y a deux rétroactions que nous offrent finalement les membres du panel. Leur choix de réponse, c'est la première rétroaction. Et par la suite, les commentaires, leurs commentaires explicatifs par rapport à leur choix de réponse, c'est la deuxième rétroaction. Donc, je vous encourage, et WooClap le permet, de présenter vos panélistes là, juste à l'amorce de l'activité. Ça permet à l'apprenant de voir mais qui sont ces personnes là, qui me donnent une rétroaction par rapport à des questions fréquentes dans ma vie professionnelle. Donc, on peut faire une diapositive avec les photos et agrémenter tout ça là, d'une courte bibliographie. Et oui, il y a une troisième rétroaction et je termine avec ça. Je vais laisser par la suite la parole à Adeline pour vous montrer les fonctionnalités. Il y a une troisième rétroaction qui est fort intéressante, qui est tout à fait pertinente et à ne pas oublier, je dirais, dans une formation par concordance. C'est la troisième rétroaction qu'on appelle là, la synthèse éducative. Donc, à partir du moment que nous avons répondu à une ou plusieurs questions, à un lot de vignettes ou à une vignette, souvent, on avait une intention pédagogique là, sous-jacente à cette question. Donc, ici, on offre des ressources aux étudiants. Donc, après avoir questionné les étudiants, on leur offre des lectures. Ça peut être des guides de pratique pour les gens en santé. Ça peut être un lien avec un code de déontologie, des articles de loi. Ça peut être des vidéos. Ça peut être une multitude de choses. Donc, ça permet, je vous dirais, de ne pas fermer la boucle à la discussion, mais au contraire, d'offrir des ressources à l'étudiant pour aller un peu plus loin dans ses apprentissages. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus tard. Toutes ces explications. Donc, effectivement, maintenant, je vais vous montrer comment créer ces types de questions, donc concordance de script et de jugement directement sur WooClap. Donc, je vais vous montrer la création de ces questions en trois temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer les questions et récupérer les réponses des panélistes en mode asynchrone, c'est-à-dire à leur propre rythme. Dans un second temps, je vous montrerai comment
poser les questions aux étudiants pour qu'ils puissent ainsi comparer leurs réponses par rapport à ceux du panel. Et dans un second temps, je vous montrerai comment comparer les réponses des étudiants avec celles des panélistes. Donc pour ce faire, nous allons créer un événement WooClap ensemble. Et je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que Bernard ou Marie-France, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Je ne vois pas l'écran, non. Ah là, oui. Voilà, oh, super. Alors, bienvenue sur l'interface de création d'événements de WooClap pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous allons créer un événement pour créer des questions de type concordance et jugement. Pour ce faire, je clique sur « Créer un événement ». Je peux modifier le nom de mon événement en rapport avec mon cours, donc ici « Concordance ». Je valide. Si on souhaite récupérer un maximum de réponses des membres du panel, je souhaite donc poser ces questions et les laisser disponibles un maximum de temps. Donc, on pourra fonctionner au rythme du participant, c'est-à-dire en mode asynchrone. Pour ce faire, je vais dans l'onglet « Au rythme du participant ». J'ai créé déjà un questionnaire concordance que je vais vous montrer. Donc, dans l'interface de création des questions, vous avez la possibilité de choisir différents types de questions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement concordance de script et concordance de jugement. J'ai créé une première question concordance de script sur la base des exemples donnés par Bernard tout à l'heure. En choisissant celle-ci, donc une patiente de 50 ans se présente au bureau, au bilan, on retrouve une anémie microcétaire. Donc, j'ai mis bien le cas et j'ai décrit la situation. J'ai aussi inséré une hypothèse qui était une anémie des maladies chroniques. J'ai aussi ajouté une information additionnelle, une ferritine ABC, pour reprendre le format des concordances de script. Les panélistes n'ont pas encore répondu, donc on voit que les réponses sont toujours à zéro. Je sauvegarde. J'ai aussi également créé une question de type concordance de jugement. On voit dans ce cas effectivement que le format est un peu différent. Vous avez ici la possibilité de décrire le cas et la situation, et vous avez aussi la possibilité de poser la question à votre audience. Donc, j'ai repris l'exemple donné par Bernard tout à l'heure sur le port du masque pendant la crise du Covid. Les panélistes, là, encore une fois, n'ont pas encore répondu, donc effectivement, nous voyons zéro ici au niveau des réponses. Je fais sauvegarder. Mes questions sont prêtes, il me suffit donc de sauvegarder mon questionnaire et de le publier pour le partager aux membres du panel. Donc, pour partager le questionnaire aux membres du panel, il suffit de partager le code ici de mon événement. Donc, je vous l'ai mis dans le chat et vous pouvez répondre aux questions. Je vais vous montrer côté participant comment ça fonctionne. Alors, est-ce que Bernard ou Marie-France, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le questionnaire? Non, on est encore sur l'écran de création. D'accord. Demio ne souhaite pas partager cette page-là. Donc, je vous invite à répondre à ce questionnaire que je vous ai partagé. Donc, même si vous ne connaissez pas forcément la réponse, n'hésitez pas à répondre voilà, pour voir le fonctionnement, en tout cas, de ces questions. Je vais vous repartager le code de l'événement directement dans le chat. Pour vérifier si les membres du panel ont répondu, il me suffit de faire afficher les détails, afficher,
Et je vois effectivement qu'il y a 18 résultats. 19, ça augmente. Donc, puisque j'ai déjà les réponses du panel, et je vous remercie d'avoir participé, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comparer ces réponses à ceux des étudiants, de mes étudiants. Pour ce faire, je décide donc d'enlever le partage, car mes membres du panel ont déjà répondu. Et pas de souci, ceux qui n'ont pas eu le temps de participer, vous pourrez participer en tant qu'étudiant. Pour ce faire, pour les étudiants, si je souhaite leur poser la question en live, ou par exemple pendant une classe, pendant ma classe, je vais dans l'interface, toujours de WooClap, dans l'interface vote, et donc live de WooClap. Pour ce faire, je vais importer les questions auxquelles les membres du panel ont déjà répondu. Donc, je fais importer des questions. Je choisis mon événement concordance. Donc, effectivement, c'était bien ces questions. La question de concordance de script et concordance de jugement. Je choisis de les importer avec les résultats du panel. Donc, mes questions sont donc prêtes pour participer mes étudiants, pour qu'ils puissent y répondre. Et donc là, je vais vous inviter donc, à y répondre mes côtés étudiants. Pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de se connecter, je vous donne les instructions de connexion que vous pourrez aussi partager à vos étudiants. Pour rejoindre l'événement et donc répondre aux questions, vous pouvez participer grâce au QR code ou alors via le code ici présent pour vous connecter au web. Donc, je vois déjà 36 personnes connectées sur notre événement. Je vais lancer donc la première question et je vais vous laisser y répondre. Je vais cacher les résultats pour laisser un peu de suspense et voir ce que vous répondez. Donc, je vois que 10 personnes ont répondu, donc 10 étudiants ont répondu pour le moment. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à cette question. Et je vais montrer les résultats. Donc, voici les résultats apportés par les étudiants. Donc, on voit que c'est assez divergent. Pour comparer ces résultats à ceux des membres du panel, il me suffit de cliquer ici sur « Réponse correcte ». On voit donc les résultats des panélistes ici en vert et les résultats des étudiants en bleu. Vous aviez la possibilité aussi d'ajouter des commentaires pour justifier vos réponses. Pour ce faire, je peux afficher les commentaires des panélistes pour les montrer aux étudiants. Donc la question n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Et je peux aussi afficher les commentaires des étudiants. Voilà, ça permet de justifier ma réponse. Deuxième question de type concordance de jugement. Donc là, on voit les résultats apparaître en direct. Et on voit effectivement que ça penche plus pour le totalement acceptable. Donc, vous avez la possibilité donc, de votre côté de choisir entre ces quatre hypothèses et aussi de mettre un commentaire pour justifier votre réponse. Si je souhaite afficher maintenant les réponses
des membres du panel pour comparer avec ceux des étudiants. Je procède de la même manière, je clique sur « Réponse correcte ». Voilà, effectivement, que les membres du panel avaient plutôt tendance à répondre comme les étudiants. Donc, le raisonnement penche pour les mêmes résultats. De la même façon, je peux montrer les commentaires des panélistes et les commentaires des étudiants. Également, si vous souhaitez ajouter une synthèse, comme Bernard nous le disait tout à l'heure, des fois, il est important d'ajouter une synthèse pour montrer aux étudiants eh bien, pourquoi les membres du panel ont tendance à répondre aux telles ou telles questions. Vous pouvez le faire grâce à la diapositive. Entrez votre synthèse. Donc, pour ma part, je l'avais déjà préparée. Vous choisissez par exemple ceci. Je vais mettre synthèse. Ma synthèse est prête pour être partagée à mes étudiants. Je souhaite la faire apparaître après ma question de concordance de script. Et je fais lancer pour la montrer aux étudiants. Ça me permet donc d'appuyer les réponses qui ont été données au préalable. La question et la synthèse. Et voilà, vous savez maintenant donc comment créer des questions de type concordance de script et concordance de jugement sur WCLAP. Donc, on a procédé au rythme du participant pour recueillir les réponses des panélistes et on a procédé en mode asynchrone, en mode live pour récupérer les résultats des étudiants. Nous revoilà donc parmi vous. Maintenant, laissons place à vos questions. Je sais que vous avez déjà pu répondre à certaines questions lorsque je suis partie tout à l'heure. Il y avait une question sur est-ce que ça s'est répandu dans des disciplines telles que le droit, la finance. Ça s'est pas encore vraiment répandu, mais il y a pas mal d'intérêt. Que je connaisse les résultats, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des écoles de business qui utilisent des formations par concordance ou des écoles de gestion pour placer les personnes en situation dans lesquelles il y a des cas complexes avec de l'incertitude, il faut prendre des décisions. Donc ça, c'est exactement le format qui correspond aux formations par concordance. En droit même, je n'ai pas d'exemple, mais je pense que c'est peut-être difficile pour la logique du droit, l'enchaînement de la preuve, tout ça. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais pour du droit appliqué, du droit en entreprise, je pense que ça fonctionnerait très bien. Alors, je vois une question. En quoi est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les tests de concordance de jugement et les tests de concordance de script ? Donc, les tests de concordance de script, moi, j'ai tendance à enlever le mot script parce que c'est un jargon et que les gens ne comprennent pas que c'est cette affaire de script. Donc, maintenant, je parle de tests de concordance et on a là deux formats. On a un format de jugement et un format de raisonnement. Celui de raisonnement, on est dans un processus de raisonnement et dans lequel on vous propose une des options que vous auriez considérées. On vous propose une nouvelle donnée et vous devez décider quel est l'impact de cette donnée sur votre option. Donc, c'est un raisonnement en quatre temps,
Je lis la situation, je découvre l'option proposée, je découvre la donnée proposée et je me prononce pour dire quel effet a cette information sur mon option. Tandis que dans le jugement, j'ai une situation, puis je vois quelqu'un qui a un comportement particulier et je porte un jugement global sur comment je trouve ça. Tout à fait inacceptable, acceptable, etc. Donc, ça ne s'applique pas tout à fait au même champ. Et on peut très bien avoir une formation par concordance qui est 4-5 questions de type raisonnement et de temps en temps une question de jugement. Si par exemple on veut amener les gens à réfléchir sur des enjeux liés au professionnalisme ou à l'éthique. Merci pour cette précision. Peut-être pour ajouter aussi dans la concordance de jugement, il n'y a pas la valeur neutre. Donc, on force l'étudiant ou l'apprenant ou le professionnel en pratique à se positionner d'un côté ou de l'autre comparativement à la concordance de raisonnement. D'accord, super. Je vois aussi une question sur est-ce que vous avez des statistiques sur ces types de questions, depuis quand vous les utilisez? Est-ce que vous pouvez peut-être nous reparler de la genèse de la création de ces questions et comment elles se sont répandues? Parfait. Donc, la théorie qui est descrite, les articles, sont parus en l'an 2000, puis on a commencé à faire des tests. Au début, c'était des tests pour mesurer la qualité du raisonnement qu'on appelait test de concordance de script. Si vous allez il y a plus que 100 articles dans des journaux avec comité des pairs qui traitent de l'utilisation des tests de concordance de script pour évaluer la qualité du raisonnement, et ce, dans de multiples domaines professionnels, surtout les sciences de la santé. Mais il y a eu aussi des exemples en agronomie, d'autres disciplines. Mais dans à peu près toutes les professions de la santé ont publié là-dessus. Ensuite, donc là, il y a beaucoup de statistiques sur toutes ces publications-là, sur le test, sont emplies de statistiques et soulignent l'intérêt des tests de concordance de script, en ce sens que c'est un score très fidèle, les scores sont reproductibles, et deuxièmement, c'est très discriminant. C'est pour cette raison, pour ces deux qualités, que c'est envisagé très sérieusement pour être introduit dans l'examen certificatif, en France de fin des études, qui est l'examen national classant, parce que à cause de ces qualités psychométriques. Maintenant, si on parle de formation par concordance, c'est un peu différent, il y a moins de statistiques. D'abord, il faut dire que, par exemple, en formation en test par concordance, pour avoir des scores fidèles, il faut avoir des grands panels, des panels de 15 ou plus pour un examen d'importance nationale, par exemple. Mais en formation par concordance, le but n'est pas le même. On n'est pas préoccupé par la fidélité des réponses des gens, on est beaucoup plus préoccupé par la qualité du feedback qui est fourni. Donc là, on va avoir des panels beaucoup plus petits, de 3, 4, 5, 6, 7 personnes, pas plus, parce que si vous recevez un feedback et quand vous avez lu l'opinion de 6 personnes membres du panel, vous êtes saturé. Donc, on ne fait pas des gros panels. Mais du coup, si on calculait des scores, on aurait plus de fluctuations. Donc, ce n'est pas les études statistiques qui vont nous permettre de documenter l'intérêt de la formation par concordance. C'est plus des études un peu de nature qualitative. Est-ce que ça améliore les apprentissages des gens? Est-ce qu'elle incite à aller plus loin? Est-ce qu'on renforce notre sentiment de compétence? Donc voilà. Et ça, les études, on commence à en publier. Il y a quelques articles sur la formation par concordance dans la littérature, mais c'est un début de documentation. Merci pour cette réponse. Il y avait une question, comment vivent les étudiants le fait d'avoir cette incertitude? Alors, c'est
des questions sans certitude exacte et dont l'évaluation dépendra du panel qui peut donner des résultats différents. Donc, on ne parlait pas forcément d'évaluation, mais plus de formation. Est-ce que vous pouvez rappeler l'intérêt justement de comparer le raisonnement des étudiants avec ceux des membres du panel et donc des experts du domaine? Ben, en règle générale, les étudiants adorent le format de formation par concordance. Quand c'est un test par concordance, ben, c'est un examen, c'est rare des gens qui adorent les examens, puis... Mais c'est un format d'examen qui est apprécié souvent des étudiants. Ils disent enfin des examens qui ressemblent à la vraie vie, enfin des examens où on me fait réfléchir pour de bon. Donc, en général, les examens sont bien acceptés, mais comme format d'apprentissage, comme outil d'apprentissage, c'est très populaire. Il y a vraiment, tout le monde dit, mais c'est vrai. L'accueil est vraiment enthousiaste et donc les gens trouvent ça intéressant, on fait appel à leur réflexion, ils ont un feedback immédiat, ils ont accès à la variabilité des réponses des membres du panel. Les gens, ils donnent souvent la même réponse, même sur un panel, même si les gens donnent la même réponse, souvent ce n'est pas pour la même raison qu'ils donnent cette réponse-là. Donc c'est très varié et c'est un instrument très propice à l'apprentissage. Est-ce que Marie-France vous souhaite J'aime bien. Je vous dirais par ailleurs, les premières fois, c'est bien de les accompagner pour comprendre un peu cette gymnastique mentale-là qui n'est pas si usuelle. Donc l'outil, pour ma part, moi, j'ai l'impression que ça doit rencontrer aussi plusieurs disciplines. Ça vous permet d'un peu mieux appréhender cette incertitude qu'on retrouve dans la vie professionnelle. L'outil est très aidant pour ça. Donc, moi, dans un premier temps, je vous suggère de faire peut-être une activité de familiarisation là, avec l'outil pour tirer profit là, de l'outil en lui-même. Au niveau des résultats, moi, au niveau des études, j'ai déposé ma thèse la semaine dernière, là. Donc, c'est tout chaud. Et je suis allée valider justement quelles sont les stratégies d'apprentissage qui étaient sollicitées lors de la formation par concordance. Et il y en a, donc c'est intéressant. Donc, il y a des stratégies cognitives qui sont sollicitées. Merci beaucoup. Oui. Il y a des stratégies cognitives qui ont été sollicitées, des stratégies aussi métacognitives. Je suis allée aussi sonder, mais évidemment, on est dans les premières études là, sur le sujet, mais je suis allée sonder quelles sont les opérations cognitives qui sont du raisonnement clinique, qui sont suscitées par l'utilisation de l'outil. Donc, je vous dirais, si ça vous intéresse, là, il y a beaucoup de possibilités dans les prochaines années, là, surtout que les développements technopédagogiques là, sont présents. Donc, ça nous permet, je vous dirais, d'aller un peu plus loin là, dans l'enseignement avec des nouvelles stratégies. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, il y avait une question là-dessus sur l'incertitude, mais ça permet effectivement d'aider les étudiants à aller dans les zones grises, justement, à comprendre que par moment, c'est pas tout blanc, tout noir, ou vrai ou faux. Il y a des zones d'incertitude dans la pratique et de mieux approcher, là, d'être soutenu là, dans cette incertitude. Il y avait un excellent article, là, d'ailleurs, là, qui avait été publié par Bellhomme et collaborateurs là, en France, là, justement, sur comment aider les étudiants là, à mieux approcher, je vous dirais, cette incertitude la pratique professionnelle qui est dans le domaine de la santé, certes, là, mais certainement aussi dans vos disciplines. Il y avait peut-être une question, Bernard, là, sur l'échelle là, qui pouvait porter à confusion. Dans le chat, là, j'ai lu ça, peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Là, Je vois une question. On vient que nous proposons actuellement une échelle de fortement affaiblie, inchangée, renforcée, fortement renforcée. Alors que si vous lisez la littérature sur les tests de concordance de script, historiquement, c'était un symbole court parce que les tests étaient sur papier, donc il fallait capter la réponse le plus simplement possible. Donc, c'était un plus, deux plus, un zéro, un moins, double moins. Après, parce que les gens n'interprètent pas toujours bien la signification de ces symboles, on est venu à, on l'a écrit en clair, fortement positif, positif, et beaucoup d'articles encore paraissent avec ces échelles-là.
Mais nous, on s'aperçoit dans la formation par concordance où on est vraiment, on cherche toujours à ce que les gens aient le moins de confusion possible sur le sens des ancrages de l'échelle de Likert. Et on s'aperçut qu'en disant quel est l'effet sur votre hypothèse en est, si on met fortement renforcé, inchangé, les gens comprennent mieux et font moins d'erreurs d'interprétation. Il y a une question pour toi, Marie-France, pardon, sur en sciences de l'éducation. Y a-t-il des exemples en sciences de l'éducation? Je pense que tout ton gros travail avec les professeurs de lycée, est-ce qu'il est l'équivalent des cégeps chez nous? Pourrais-tu dire quelques mots là-dessus? Oui, effectivement. On avait développé, c'est l'année dernière, là, on pourrait vous mettre le lien parce que c'est disponible en ligne, un gros rapport là, sur le thème. On avait développé une formation par concordance du jugement professionnel des enseignants du niveau collégial. Pour vous, en France, en Europe, là, c'est des professeurs du lycée. Donc, les scénarios, les mises en situation qu'on mettait finalement dans l'entête, là, les sujets, les termes, c'était des scénarios pédagogiques. Donc, ça pourrait être justement l'utilisation des technologies de l'information. Là, vous êtes en classe, vous vous rendez compte que peu de participants participent à vos interventions. Si vous pensiez à intégrer une question de type concordance à l'aide de WCLAP, et qu'alors, bon, là, j'invente, là. Mais c'était des types de questions, pas toujours sous cette forme-là, là, mais c'était des types de questions qui pouvaient autant solliciter des compétences transversales, finalement, des enseignants, c'est-à-dire l'intégration des technologies, la communication avec les étudiants, la gestion de classe. Donc, ça s'est je vous dirais, adapté. L'outil a été tout à fait adapté à son utilisation en sciences de l'éducation. Oui, donc effectivement, je vais vous transférer, je ne sais pas comment faire par contre, Adeline, pour transférer autant l'article sur que je parlais tantôt de Bellum et puis est-ce que je mets les adresses courriel dans le chat, c'est ça? Vous pouvez. Ou les articles. Oui, c'est pas ça. Il y a un document disponible à handout, n'hésitez pas à cliquer, il y a déjà plein de ressources. Référencé, donc je ne sais pas si Marie-France vous en aviez référencé, ces articles, est-ce que vous les aviez mis dans ce document ou non, mais sinon vous pouvez effectivement transmettre le lien directement ou ultérieurement on recontactera les participants et on enverra les liens des articles demandés. Il y a un commentaire sur quelqu'un qui perçoit l'intérêt d'utiliser les formations par concordance pour faire des épreuves de déontologie dans les professions réglementées. Bien, tout à fait, c'est un champ magnifique. Là. Puis, on a des expérimentations qu'on a faites il y a plusieurs années en matière d'utilisation pour de la déontologie et qu'on utilisait pour des étudiants qui étaient à l'externat, donc dans les stages hospitaliers. Et les étudiants étaient enthousiastes là-dessus. Et en fait, ils recommandaient que ça devienne obligatoire dans le curriculum. Et donc, c'est vraiment très approprié à ça. Donc, oui, tout à fait. Une épreuve de déontologie, c'est tout à fait bon. Juste un commentaire, une des difficultés, de savoir qui est-ce que vous allez mettre comme panéliste pour une épreuve de déontologie. Nous, on avait utilisé une méthode intéressante. On avait demandé à tous les étudiants, qui sont des grosses cohortes de 300, de voter, de nommer trois enseignants qui les avaient particulièrement impressionnés pendant leurs études. Et donc, en cumulant tous les avis des externes par email, on avait un ranking en français, un classement des gens qui étaient les plus appréciés au point de vue éthique et déontologie par les étudiants. Et c'est eux notre panel. On a pris les 8 premiers. Et on en a fait notre panel parce que, et puis ça a très bien été, les gens étaient très flattés qu'on leur demande d'intervenir et le résultat était très intéressant. Super, merci pour cette précision de comment choisir les membres du panel. J'ai vu une question effectivement sur WCLAP quand j'ai fait la démonstration. Il est possible aussi que les étudiants répondent en mode asynchrone. Vous pouvez tout à fait utiliser le questionnaire comme je vous l'ai montré. Sachez que dans les ressources qu'on partage aussi, je
vous ai mis des articles sur comment utiliser ces questions sur WorkLab. Donc, je pense que nous avons répondu aux questions. Merci beaucoup pour votre participation, Bernard et Marie-France. Merci à vous tous d'avoir été présents. J'espère que ce webinaire vous a plu et que ça vous a permis aussi de découvrir les formations par concordance. Donc, n'hésitez pas à contacter nos intervenants. Donc, vous avez, encore une fois, dans le document qui est disponible au téléchargement, vous avez leurs coordonnées. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Et merci beaucoup encore à vous. Merci Bernard et merci Marie-France. Merci à vous, Claude, d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tout le monde pour votre intérêt. N'hésitez pas à nous écrire pour les références. Je n'ai pas eu le temps de les téléverser là, dans le Hangout. Il y a des questions en suspens aussi. Pour nous envoyer par courriel, on y répondra. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.